Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on s'ouvre les Starter Sets V-Star, Lucario et Darkrai. On y va! Allez, on est parti. Donc les Starter Sets V-Star, Lucario et Darkrai, donc des Starter Sets qui sont concrètement, comme on l'indique, un des sets pour commencer à jouer à Pokémon au TCG. Bon, bien entendu, moi je ne joue pas, donc je les ai pas pris pour ça. Je les ai plutôt pris pour les cartes qu'il y a dedans, les illustrations et autres. Même si, il faut reconnaître que je me suis pas super vraiment renseigné sur ces Starter Sets. Je les ai surtout pris grâce au packaging qui, franchement, en jette pas mal, hein, je trouve, pour le coup. Ils sont sortis il y a très peu de temps, je crois, il y a un ou deux mois maximum, pas plus que ça. Et je les ai reçus un petit peu tardivement, mais finalement je les ai, donc on va pouvoir se les ouvrir ensemble et découvrir ce qu'ils contiennent. On va commencer, je pense, par celui de Darkrai, donc on va laisser le Lucario de côté. Et donc avant de démarrer une quelconque ouverture, on va regarder le produit en tant que tel. Déjà dans un premier temps, sincèrement, la présentation elle est nickel quoi, elle est nickel. On voit du coup la carte star du set, donc du moins la carte V-Star, donc qui est présente ici, qu'on peut voir du coup à travers le packaging. En fond, on a le Pokémon en tant que tel, avec des couleurs très claires, hein, somme toute. Limite argenté, chromatique, c'est pas mal du tout, avec un contour doré autour de ces Pokémon. Et le texte décrit justement en argenté et doré, franchement ça rend pas mal. Au-delà de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du coup le dos, pour voir un petit peu comment il se présente. On a un aperçu justement de la card list qui est ici. On a également quelques cartes qui sont présentes dans le set, qu'on peut voir déjà là, hein, de base. Un Ostenfer V notamment, les recherches Professeur Sorbier, les orbes du boss, enfin voilà quoi. Et on voit également la carte V présente ici. Par contre, fait amusant, je vois qu'apparemment il y a également des marqueurs de dégâts et autres. Il y a un marqueur V-Star, mais je vois également surtout ça en fait. Une sorte de playmat au fond. Je pense pas qu'il se présente dedans, mais on va le découvrir ensemble. Allez, on perd pas plus de temps, on va ouvrir ça. Et je sors mon nouveau cutter. Et nous y voilà, et bien en effet il y avait ce qu'on pourrait appeler un playmat hein, pour le coup. Mais c'est plutôt une version papier en fait, hein, somme toute. C'est pas du caoutchouc. Donc ça va moins m'intéresser que ce que j'aurais pu penser quoi. Et je vois que là-dedans on a pas mal de choses quand même. On va regarder ça en second plan. On a encore une partie à ouvrir ici. Alors ce qu'on peut voir tout de suite c'est qu'on a une pièce du coup, hein, pour jouer au jeu forcément, hein, parce qu'il y a une mécanique de jeu de pile ou face très souvent dans les jeux Pokémon. Donc bon, on a ici une pièce du coup à l'effigie de Darkrai qui est plutôt pas mal ma foi. Hein. Et du coup ici on a le gros de ce qui va nous intéresser, donc la carte V-Star de Darkrai qui a été mise en avant à travers le packaging, et le reste du deck qu'on va pouvoir ouvrir ici, donc il contient déjà une deuxième carte V-Star, hein, ce qui est quand même plutôt cool. Mais on regardera ça en second plan. D'abord, on va regarder ce qu'il y a dans ce sachet. Alors, donc pour commencer, on a cette petite carte en fait qui suggère de flasher le QR code et de participer à une enquête de satisfaction. Et en participant à cette enquête de satisfaction, on pourrait gagner apparemment une boîte de je ne sais quelle série. Enfin bon, toujours est-il, ça nous intéresse pas tant que ça. Ensuite, on a le fameux jeton V-Star que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà dû voir dans d'autres vidéos ou alors peut-être même en vrai. Hein. Donc on a ce jeton V-Star ici présent avec un petit liseré de Pokéball derrière. C'est sympathique, mais je l'utiliserai pas de toutes les façons. Puis, on a ici, alors ça doit être tout ce qui est conseil stratégique, mais ça va nous spoiler le contenu du deck. Donc on va skipper, on regardera le deck directement, tout ce qui est conseil de jeu, ça ne nous intéresse pas non plus. Les marqueurs de dégâts, encore une fois, pour les gens qui jouent, hein, bien sûr, mais ça, on passe également. Et là, on a le fameux tapis de jeu, en fait, hein, qui est fourni avec pour pouvoir jouer avec quelqu'un chez soi. Il est à l'effigie de Darkrai, mais c'est le même Darkrai qu'on voit justement sur le packaging extérieur, donc on a fait le tour de ce qu'il y avait dans cette petite pochette. Maintenant, on va s'intéresser forcément à ce qu'il y a dans les decks. Déjà, on a cette première carte V-Star de Darkrai, bon, qui est faite par Goman Graphics, ce qui ne change pas de d'habitude, hein, ma foi, pour tout ce qui est V-Star. Bon, c'est une carte qui est plutôt sympathique, hein. De toute façon, le principe des V-Star en tant que tel, j'aime beaucoup. Ça contraste énormément avec les V-Max, qui étaient justement avec des bords noirs et sur un fond assez foncé, hein, qui représentait le Dynamax et le Gigamax de manière générale dans Pokémon. Là, on est sur les V-Star, ça n'a pas de commune mesure avec une mécanique de jeu dans les jeux vidéo particulière, mais esthétiquement, je trouve ça fort plaisant. Hein. Les couleurs dominantes sont le blanc et le doré. Enfin, ça passe archi bien, on a un astre ici au niveau du texte de la carte qui apparaît, une sorte d'étoile. Donc franchement, c'est ouais, ça rend vraiment archi bien. Et on va sliver immédiatement cette carte V-Star pour la garder de côté. On va donc se lancer maintenant dans l'ouverture du deck et découvrir toutes les cartes qu'il contient, hein, ce qui m'intéresse quand même pas mal, hein, il faut le dire. Et allez, on est reparti pour un tour. Donc, en tout premier, on a forcément cette fameuse carte de V-Star, du coup, qui est donc en double, hein, dans le package.
C'est suivi, du coup, ah bah voilà, la version V, cette fois-ci qui elle est modélisée par Takuyoa, hein. Takuyoa qui fait, que je me trompe pas, il me semble bien que c'est quand même de la 3D, hein. Takuyoa, on a souvent une impression à mi-chemin entre 2D et 3D, entre à mi-chemin entre dessin et modélisation, et je pense que c'est malgré tout de la modélisation. En tout cas, la V du coup de Darkrai qu'on a en 1 et 2 exemplaires. Puis, on passe sur un Ostan Fervé qui, me semble-t-il, je crois qu'on l'a déjà vu ce Ostan Fervé et qui était déjà présent dans le High Class Deck Gengar, donc du coup le High Class Deck Ectoplasma. Et apparemment, ça a l'air d'être un incontournable hein, de beaucoup de decks, ce Ostan Fervé. Donc bon, celle-ci, on l'a déjà. On passe ensuite, sur un cornèvre par Yukamori, qui sculpte ses petites figurines en argile, les place dans des environnements réalistes, et on fait des photos pour en faire des illustrations de cartes. C'est toujours bien sympathique, hein. On en a 1, 2, et on arrive sur, oula, un Corboss. Plutôt stylé, hein, il faut le dire. J'aime beaucoup ce Corboss, il est bien illustré. C'est ici fait par Shibolingalu. Shibolingalu, pour rappel, c'est l'artiste qui nous a fait la CHR de Janine et Migalos, hein, dans VMAX Climax. Ouais, ça rend plutôt bien, hein. Corboss posé sur une branche dans une forêt un peu brumeuse. Ouais, j'aime beaucoup, franchement, pour le coup. C'est la troisième carte. Il y en a un seul. Puis on arrive sur le Quillfish de Hisui, par Kagemaru Himeno. Bon, c'est une carte qui est plutôt passable, à ma foi, c'est sympathique, mais sans plus. Il y en a donc 3 apparemment, puis on arrive sur le Quillpic par Anesaki Dynamic. J'aime déjà un peu plus ce Quillpic, hein, il est plutôt sympa. Il a l'air d'être vraiment au fond d'un lac, semble-t-il. On voit la surface un petit peu avec la lumière tout en haut. Et il a l'air un petit peu énervé, hein. Il fronce les sourcils, le Quillpic, là. Bon, en tout cas, c'est plutôt sympa. On en a 2, puis, oh, ça c'est plutôt cool, du Komiya. Je m'attendais pas à voir ça dans le deck. Avec un sévipère en train d'entourer un arbre, semble-t-il, et qui a l'air surpris, on dirait. Bon, en tout cas, ça rend plutôt bien, hein. Toujours le même style enfantin, Komiya. J'aime beaucoup. Puis, sympathique ça, un petit Sepiatop par Shibuzo. Shibuzo, c'est toujours la petite touche un petit peu fripon des Pokémon, la petite touche un petit peu maligne, quoi, on va dire. Et là, c'est pareil, je trouve, pour ce Sepiatop. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'au niveau de la technique, c'est un petit peu différent d'habitude, je dirais. Plus que jamais, on dirait que c'est fait à l'aérographe, hein. On voit vraiment les petits points au niveau de l'illustration. C'est spécial, c'est la première fois que je vois ça de la part de Shibuzo, mais c'est sympathique. Puis, on a, oula, un magnifique Hoopa par Sanosuke Sakuma. Sanosuke Sakuma, hein, qui nous avait fait les Amis de Galar. Waouh, je trouve qu'il rend plutôt bien ce Hoopa, ma foi. Il y a même l'air de se la raconter un petit peu. Mais enfin, il y en a donc en 3 exemplaires. Et après, on arrive sur ce qui est des cartes trailer. Donc là, je pense qu'on va passer relativement vite là-dessus. On a une. Je crois que c'est une Rapid Ball ici. Puis, alors, ça c'est noté Dark Patch. Donc Dark Patch. Donc ça va avoir une utilité quelconque. Ensuite, on a une Hyper Ball, une carte qui est très très jouée dans le TCG, si je dis pas de bêtises. On a le Pokégear 3.0, on a une sorte d'échange Pokémon Irekae. On a Sana, qu'on a déjà vu, hein, notamment dans Blue Sky Stream. Puis on a, alors lui, je sais jamais son prénom, je crois que c'est Barry ou un truc comme ça, illustré par Ken Sugimori. Ou un personnage que je connais pas plus que ça, malheureusement, parce que je l'ai pas vu dans les jeux. Puis on arrive sur, bah ça par contre, c'est beaucoup plus connu, Cynthia, par Megumi Mizutani, qui, elle, apparaît dans Starbirth, je crois. Puis les recherches professorales du prof Sorbier, qui sont Starbirth aussi, qui sont normalement holographiques, hein, cette carte-là est holographique normalement, là elle est du coup non holo, et c'est marrant parce que c'est pareil pour les ordres du boss avec Helio derrière, non holographique, et enfin on termine sur tout ce qui est du coup des énergies, hein. Dans le cas présent, ce ne sont que des énergies ténèbres. C'est parfait, on a fait le tour de ce deck, on va passer au deck Lucario. Alors, de la même façon que le deck Darkrai, on va y jeter un petit coup d'œil, hein, comme d'habitude. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, les couleurs utilisées pour les contours sont plutôt le doré, hein, en l'occurrence. Et on a de l'argenté, principalement en fond, hein. Un peu chromé, hein, on a l'impression, tout ça. C'est plutôt sympathique, avec un visuel sur la carte V-Star du deck, qui est celle, donc, du coup, de Lucario, hein, le principal intéressé. On va jeter un coup d'œil à l'arrière également, et de la même manière, on voit les cartes qui composent le deck. On voit la V de Lucario ici. On voit ce fameux tapis en papier donné pour pouvoir jouer, la pièce, le jeton V-Star, les marqueurs de dommages, et le fameux deck qui est là, la decklist également. Donc bon, on perd pas plus de temps, on va s'ouvrir ça immédiatement, avec le cutter. Bon, pour ce qui est de cette partie-là, on l'a déjà vu sur le deck Darkrai, on va pas y revenir, pas besoin, hein, c'est pas nécessaire. Les conseils stratégiques, j'en aurais pas l'utilité, il faut le dire. Le jeton V-Star, on l'a déjà vu, et c'est pareil pour tout le reste. Le playmat en papier, je vais pas non plus sortir, parce qu'au vu de la taille qu'il fait, de toutes les façons, on n'aurait pas l'angle de caméra suffisant pour pouvoir le voir correctement. On va cependant s'intéresser à la petite pièce qui est quand même vraiment super jolie. Hein. Une belle pièce de Lucario, sincèrement, ça fait plaisir. C'est des petits objets comme ça qu'on garde d'un côté. Je sais qu'on peut les collectionner, les pièces. Hein. Je sais qu'il y a même des classeurs spécialement pour ça, des portfolios faits pour. Personnellement, je m'y suis jamais lancé et bon, j'ai déjà assez de choses à collectionner pour en rajouter, je dirais. Alors, dans un premier temps, on va jeter donc du coup un œil à la V-Star et
Qu'est-ce qu'elle en jette, hein. J'aime beaucoup le Pokémon en tant que tel, hein. Lucario c'est vraiment un super beau Pokémon. Il a toujours été emblématique et toujours été très bien représenté, on va dire, dans la licence. Et là, le voir en V-Star, ça fait quand même assez plaisir, hein. C'est vraiment super beau. Et on a limite l'impression qu'il est entouré d'un filet de flammes, quoi, qui accompagne le mouvement. Ah, ça rend plutôt bien, je suis quand même assez satisfait de la carte. On va immédiatement le mettre sous sleeve, bien entendu. Et on va s'attaquer au deck, hein, qui présente la même V-Star en première carte. On va regarder un peu tout ce que ça nous offre. Ah tiens, petit fait amusant, les cartes sont un peu bend en fait, les 3-4 premières cartes ont l'air d'être un petit peu pliées. Bon, ça c'est pas trop grave, hein, ça retire rien à la qualité de la carte. On les mettra sous sleeve, peut-être que ça reviendra droit, hein, dans l'absolu. Alors on commence donc du coup avec cette fameuse V-Star qu'on a déjà vue, mais ça, on va la passer. Puis, ah bah voilà, les fameuses V, qui sont elles aussi hein, modélisées par Takuyo, hein, comme on en parlait tout à l'heure. C'est une belle carte quand même, avec une pose assez dynamique, et franchement je suis littéralement bluffé, hein, on dirait vraiment de la 2D. Hein. Ce qui me fait littéralement douter de 2D ou 3D sur Takuyo. Si vous avez plus d'expertise là-dessus, si vous savez comment Takuyo travaille, n'hésitez pas à me le faire savoir, je suis vraiment intrigué pour le coup. On en a donc une et... Tiens, je profite de la deuxième quand même pour dire que la texture est vraiment bien bien faite. Hein. Vous voyez, on voit le... Tout est décomposé au niveau de la texture, aussi bien au niveau de l'impact du coup que du contour du Pokémon et des détails de la carte, quoi. C'est vraiment stylé. Puis, on a de nouveau un Ostenfervé qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et on commence tout de suite avec... Ouh, ça c'est nice. Un insécateur par Ghidorah qui lance une attaque coupe ou tranche, je sais pas trop, mais... Waouh. On voit bien l'air qui est fendu justement avec le suivi du mouvement de ses lames. C'est vachement stylé. C'est offert ici par Ghidorah qui nous avait fait le Dracaufeu CHR de VMAX Climax. Hein, c'est comme ça que je le connais, surtout principalement. Ghidorah qui travaille, si je ne dis pas de bêtises, dans l'animation. Donc ouais, ça rend plutôt bien. Deux exemplaires de cette carte, puis ensuite par Zero-san Ichi-san, on a un Medidika qui se nourrit de baies, hein. Baies qui ressemblent à du raisin. Je connais pas le nom de chacune des baies, hein. Malheureusement je les retiens pas par cœur, donc si vous connaissez la baie en question, n'hésitez pas à le dire. Mais c'est vachement coloré, et enfin, ça respire la joie de vivre en fait, cette illustration. J'aime beaucoup, beau travail de Zero-san Ichi-san. On en a une, deux, puis trois, et qui dit Medidika dit forcément Charmina. Ici illustré par Koki Saito, en train de s'entraîner justement au pied d'une cascade, et de faire des mouvements qui ont l'air d'être circulaires. Hein. On voit ici les trames de mouvement autour du Pokémon. Ça rend plutôt bien. Hein. Koki Saito qui n'est pas mon illustrateur préféré pour le coup, mais qui nous donne parfois des masterpieces et des leçons d'illustration. C'est quand même excellent. On l'a en deux exemplaires, puis on passe sur... Oh, Demeteros par Keiichiro Ito. Ah, je suis moins fan là pour le coup. Ce style là, c'est moins ma tasse de thé, dirons-nous. Demeteros qui tend le poing vers l'avant un peu hein, pour montrer son esprit combatif avec de la foudre derrière. C'est sympa, mais pas ce que je préfère, disons. Puis, ah là par contre, je suis plutôt content. Du Miki Tanaka. Miki Tanaka, c'est toujours un style de dessin un peu enfantin, un peu simpliste hein, dans les traits. Et là, on a un petit Rokabo qui a l'air de s'émerveiller d'avoir une feuille qui tombe sur lui. Ah, c'est marrant. Ça remonte le moral ce genre d'illustration, je trouve. J'aime beaucoup. Puis, yes. Ah bah vous voyez, ça fait plaisir. So sur Hexadron. Ah bah la foi, que dire quoi, que dire. Hexadron quoi, c'est un Pokémon combat qui m'intéresse pas plus que ça, mais quand c'est géré par So, c'est sublimé je dirais. C'est vraiment sublimé. Que ce soit les couleurs, le trait, c'est identifiable, on sait que c'est du So quand c'est devant les yeux quoi. Et là je trouve que ça fonctionne particulièrement bien avec cette carte. J'adore. Puis, on a un des Pokémon emblèmes de Hisui, Hashikater, par Shin Nagasawa, qui vient ici de trancher un rocher en deux, hein, semble-t-il. C'est sympa, la pose est plutôt dynamique, ça rend bien, mais c'est pas exceptionnel pour moi. En deux exemplaires. Puis on a une pioche, on arrive sur les traîneurs, hein, somme toute, donc je crois qu'on a vraiment fait le tour du deck, mais on avait quand même de belles illustrations. Donc on a ici une pioche, en deux exemplaires, une Rapid Ball, une Hyper Ball, des échanges, ah la fameuse Kodawari Belto, cette fichue ceinture qui me suit partout. Puis on a de nouveau Sana, et j'avais pas précisé tout à l'heure, mais c'est fait par Yunishida. Yunishida, hein, qui la carte la plus mémorable de Yunishida jusqu'à présent que j'ai vue, c'était le Mew dans le set des 25 ans, je trouvais vraiment magnifique. Mais Yunishida nous livre vraiment toujours des cartes de qualité, il faut le dire. Hop, encore une fois, je crois que c'est Barry, lui, si je dis pas bêtises. On a de nouveau la Cynthia de Megumi Mizutani, les recherches professorales du professeur Sorbier, les ordres du boss qui sont des cartes qui ont l'air d'être indispensables pour le jeu, puis des énergies incolores doubles, et on arrive sur bah voilà, les énergies principales du deck qui sont des énergies combat. Et on a fait le tour de ces decks. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tour d'horizon des decks Lucario et Darkrai vous aura plu. Moi je voulais franchement les ouvrir, hein, surtout rien qu'à la vue du packaging j'étais déjà conquis quoi, il faut le dire. C'était vraiment magnifiquement présenté, donc je voulais absolument les ouvrir. Et je suis quand même content d'avoir retrouvé des belles cartes d'illustrateurs que j'apprécie, notamment hein, l'Hexadron de So par exemple, le Sévipère de Komiya, le Sepiatop de Shibuzo, enfin voilà quoi. De très très belles illustrations, bien réussies. Et les V-Stars que j'apprécie aussi hein, dans le format, je trouve ça sympathique, ça fait un contre-pied au VMAX, c'est vraiment plaisant à voir, hein, dirons-nous. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire.
commentaires, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait. Il me reste encore 2-3 displays à ouvrir niveau Pokémon, mais j'en ai des nouveaux qui vont arriver, donc c'est pas fini, on va continuer l'aventure ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner surtout si vous voulez suivre ça. Je suis également assez présent sur Instagram, c'est comme le nom de la chaîne, c'est assez simple, c'est AnikiCards. Si vous voulez suivre un petit peu, j'y poste mon actualité en story, notamment. Je prévois de refaire des photos de cartes, promis, je le dis tout le temps, mais je le fais pas, mais je vais finir par le faire. Et à côté de ça, si vous souhaitez discuter un peu, je suis toujours ouvert à ça, bien entendu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.